Pendant les fêtes de fin d'année, nombreux sont les enfants qui reçoivent de la part de leurs parents des cadeaux. Un geste que ne connaissent pas forcément tous les enfants. Les enfants malvoyants et aveugles de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont Carmel, eux, vivront dans l'allégresse les fêtes de fin d'année. La raison, l'ONG Mosaïque décide de leur apporter du réconfort. On a des enfants qui sont malvoyants et aveugles. Ils sont pris dans les villages parce qu'ils sont délaissés à eux-mêmes sans aucune éducation. Ils ne peuvent pas intégrer nos écoles. C'est un moyen pour nous de nous occuper de l'ensemble des enfants du Mont Carmel. Occasion aussi pour la présidente Thérèse Nda d'encourager et de sensibiliser les personnes de bonne volonté à la cause des enfants désœuvrés. Un soutien fort apprécié par les bénéficiaires. Il est content de recevoir le cadeau. Il dit merci à Dieu. En plus de ces actions, l'ONG Mosaïque mène des activités de développement, mais aussi des projets d'œuvres sociales et humanitaires au profit des personnes les plus défavorisées.